Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir un outil très important appelé l'outil reproduire la mise en forme. Alors on va commencer par l'application d'une mise en forme sur le premier titre, par exemple. On va le sélectionner et après on le met en gras italique. On change la police, par exemple vers Gabriola. On augmente la taille vers, par exemple, 18. On va changer la couleur de la police. On prend par exemple un bleu accentuation 5 plus sombre 50%. On va souligner le texte. Voilà. Et l'objectif c'est quoi? On veut appliquer la même mise en forme sur le deuxième titre et le troisième titre. Là, si on veut faire ça manuellement, c'est un peu long. On doit se rappeler exactement des options qu'on a appliquées, par exemple gras, italique, souligné, la police, la taille, la couleur, etc. L'effet peut-être, etc. Alors l'outil reproduire la mise en forme nous permet de reproduire ou bien de copier la même mise en forme sur les autres titres. Alors c'est très simple, on va cliquer à l'intérieur du premier titre et on clique sur l'outil reproduire la mise en forme du groupe presse-papier. Et je vais sélectionner le deuxième titre. Et voilà, la même mise en forme est appliquée. Mais si on a plusieurs titres à changer, alors là, on doit double-cliquer sur l'outil pour qu'il reste actif. Par exemple, je vais annuler. Je clique sur le premier titre et je vais cliquer deux fois sur l'outil. Et comme ça, il va rester actif. Voilà. Et je peux sélectionner les titres que je veux. Et à la fin, bien sûr, je dois désactiver l'outil. Alors, passons à l'atelier 1 et la tâche 5, reproduire la mise en forme du paragraphe 1 pour les deux autres paragraphes. Alors voilà le premier paragraphe, on va le sélectionner. On va double-cliquer sur l'outil reproduire la mise en forme puisqu'on va l'utiliser deux fois. Voilà, et on va sélectionner le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Et puis enfin, on va désactiver l'outil. Merci.